عسانة عسانة. شكون انتو؟ الو السلام عليكم. يونس. يونس توا مون فيس. تي ابل انفان تا مير. Moi, ta mère qui a tant souffert. Jonas, Jonas. Comment je vais? Je suis faible. Ça fait 6 jours que j'ai rien mangé. Pourquoi? Je voulais pas avoir la bouche pleine quand tu allais me téléphoner. Hey. Alors, mon fils, qu'est-ce que tu racontes là-bas, la France? Comment ça va? Hein? Tu vas te marier? Tu vas te marier? Tu me dis ça comme ça au téléphone? Voilà, voilà, mon fils. Pourquoi tu n'envoies pas un télégramme? Oui, mais le télégramme, je peux le montrer à mes copines. Younes, enfin, pourquoi tu t'es attendu la mort de ton père pour te marier? Alors, quand est-ce que tu arrives? Tu ne vas pas te marier ici? Où est-ce que tu vas te marier? En Belgique? À Bruxelles? Younes, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu habites en France, tu vas te marier à Bruxelles? Ça y est, j'ai compris. Tu es devenu tellement riche que tu ne veux pas payer tes impôts à la France. Voilà, voilà. C'est pas ça. C'est quoi alors? Le maire, il n'a pas voulu te marier. Comme ça, il t'a dit, monsieur, toi je te marie pas. Demain, quelle pauvresse. C'est pas possible, ça. Franchement, comment c'est possible ça, C'est très drôle. Franchement, tu vas me donner le nom de ce type-là. Je vais tout de suite envoyer une lettre à François Hollande, Et là, à la Belgique, là, ils font des mariages, comme tu dis, rigolos. C'est ça. Mais je comprends pas, mon fils. Pourquoi tu viens pas te marier chez nous, en Algérie? Tu as honte de nous, c'est ça? C'est ça, tu as honte de nous. C'est ça. Si ta femme, elle t'a monté contre nous, hein? C'est ça. Comment elle s'appelle, celle-là? Dominique. Dominique. Une Européenne. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle chante Dalida dans les bars. Ça, c'est très drôle. Mon fils, j'espère qu'elle sait aussi cuisiner en chantant Dalida. Mais qu'est-ce que tu parles de plus en plus doucement comme ça? Je comprends rien. Qu'est-ce que tu dis là? Quoi? Dominique, c'est un homme? Attends, mon fils, tu veux dire que ta femme, c'est un homme? Mon fils, il va épouser un homme. Mon fils, tu veux me tuer? Heureusement que ton père, il est déjà mort, mesquine, tu l'aurais tué sur le coup, mon fils, qu'est-ce qui t'a pris par la tête? Tiens, moi, j'ai quelque chose. On a fait de la magie avec toi, c'est ça, qu'est-ce que je vais dire aux voisins? C'est la chôme, c'est la honte de la famille, mon fils. Tu l'as dit à quelqu'un? C'est bien, c'est bien. Bon. Tu ne dis à personne, Et tu vas venir te marier ici. On va faire un grand mariage et tu vas te marier avec Zoubida comme c'était prévu à ta naissance. Et c'est tout, tu prends ton Dominique avec toi, on va lui trouver une femme aussi, là. C'est pas problème, ça. Tu vas venir? S'il te plaît, mon fils. Allez, prends ton billet, prends ta Dominique et viens, viens. Viens, viens chez ton mère, viens. Viens. Voilà. Mon fils. Il croit que je sais rien. Il croit qu'ici en Algérie, c'est Moyen-Âge. Et nous aussi, on a Facebook et Twitter. Moi, j'ai bien vu sur Facebook, Dominique par-ci, Dominique par-là.
Mais moi, mon fils, c'est mon fils. Et qu'elle épouse une chèvre, une girafe, ce que je m'en fous le plus important pour moi, c'est qu'il fasse des enfants. Voilà! Pour son 9e passage, félicitations, j'ai vu le jury et le public bien rigoler pendant votre sketch. Là, je pense que ça sent vraiment les très bonnes notes. Allez.